Certains modèles Toyota sont équipés d'un sélecteur multiterrain. Le sélecteur multiterrain est un système qui améliore la traction et la conduite sur terrain difficile. Le sélecteur multiterrain offre plusieurs modes de conduite, chacun adapté à un type de terrain particulier. Le sélecteur multiterrain fonctionne de pair avec le régulateur de traction actif pour moduler le patinage des roues sur terrain difficile. Après avoir activé le sélecteur multiterrain au moyen de son commutateur, il suffit de tourner le bouton rotatif facile à saisir pour choisir un mode correspondant au terrain. L'écran multifonction montre au conducteur le type de terrain qui a été choisi. Le mode boue et sable autorise le degré le plus élevé de patinage des roues, suivi des modes terrain rocailleux, bosse, rocher, pierre et terre et grosse roche. Si le degré de patinage actuel est trop élevé, on peut améliorer la conduite en choisissant un mode qui limite un peu plus le patinage. À l'inverse, si le patinage des roues est insuffisant, on peut choisir un mode qui autorise un degré plus élevé de patinage. Sur certains véhicules, le sélecteur multiterrain ne fonctionne que lorsque le boîtier de transfert est en mode 4 roues motrices gamme basse. Sur d'autres véhicules, selon le mode multiterrain choisi, l'écran multifonction indiquera au conducteur quel mode du boîtier de transfert ou de conduite choisir. Votre manuel du propriétaire explique la procédure à suivre sur votre véhicule pour choisir le bon mode du boîtier de transfert et le bon mode de conduite. Il est à noter que les réglages présentés ne sont donnés qu'à titre de référence. Le réglage le plus approprié peut différer en fonction des conditions du terrain. Le bon réglage dépend de nombreux facteurs, notamment l'inclinaison de la pente, le degré d'adhérence, l'ondulation et les limites de rendement du véhicule. Un témoin indicateur de patinage clignotera sur le tableau de bord pour indiquer que le système fonctionne. Enfoncez le commutateur pour désactiver le sélecteur multiterrain. Le sélecteur multiterrain est conçu uniquement pour la conduite hors route et ne doit pas être utilisé sur une route revêtue. Le sélecteur multiterrain ne repousse pas les limites de rendement du véhicule et ne constitue qu'un système d'aide à la conduite. Il appartient au conducteur de toujours porter une attention rigoureuse au terrain et de conduire prudemment. Il se peut que votre modèle Toyota ne soit pas doté des caractéristiques et fonctions présentées dans cette vidéo. Vous trouverez toute l'information à ce sujet dans votre manuel du propriétaire. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Connaissez votre Toyota ?